Bonjour, je m'appelle Claire et je viens de terminer mon master en sciences du langage à l'université de Montpellier. J'ai effectué ce master en double diplôme avec l'université de Heidelberg en Allemagne. J'ai donc passé ma première année à Montpellier et ma seconde année à Heidelberg. J'ai toujours adoré voyager, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons et de nouvelles personnes. C'est pourquoi je me suis dit qu'effectuer une année à l'étranger pouvait être un réel avantage et une réelle opportunité. Même si certaines démarches administratives peuvent paraître très longues et compliquées, et que certains cours peuvent également paraître compliqués puisqu'ils ne sont tout d'abord pas en langue maternelle et que les systèmes français et étrangers sont différents, les mobilités à l'international sont vraiment enrichissantes et sont bénéfiques, à la fois d'un point de vue universitaire mais également d'un point de vue personnel. Cette mobilité m'a entre autres permis de m'améliorer en langue et elle m'a vraiment permis de découvrir un nouveau système, du moins un autre système. De découvrir d'autres points de vue, d'autres manières de faire, d'autres manières d'enseigner. Cela a été vraiment enrichissant pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer de très belles personnes et voilà, d'étudier d'une manière différente, de découvrir des villes que je n'avais pas encore découvertes. Et au niveau du CV, cela est toujours bien d'inscrire une mobilité à l'étranger. Et si je cherche un jour un emploi en Allemagne, je pense que cette mobilité m'aidera énormément. Donc voilà, je pense que vous l'aurez compris, mais je recommande vivement les mobilités à l'international puisqu'elles sont vraiment enrichissantes, comme je l'ai évoqué, à la fois d'un point de vue universitaire, mais également d'un point de vue personnel et humain. Et elles sont également très bénéfiques d'un point de vue professionnel, puisqu'elles montrent entre autres une certaine ouverture d'esprit et certaines capacités, que ce soit en langue ou autre, d'adaptation.